pour qu'un étudiant soit à même de s'insérer dans la vie professionnelle, il doit avoir double compétence, des compétences dures, hard skills, mais aussi des compétences douces, soft skills. Les compétences dures s'acquièrent dans les salles de cours où on leur apprend, où on leur dispense des savoirs, et les soft skills au niveau du groupe ISM depuis maintenant 6 ans sont développées au sein de la Soft Skills Academy. La Soft Skills Academy, c'est ce qu'on appelle le laboratoire du changement au sein duquel l'étudiant va se remettre en question. Et comment va-t-il se remettre en question? Il va se remettre en question en pratiquant l'humain. En pratiquant l'humain et en se pratiquant lui-même à la hauteur de ce qu'il est, à la hauteur de son potentiel. Au sein de la Soft Skills, l'idée, c'est de faire comprendre aux étudiants que l'insertion professionnelle n'est pas forcément simple ni systématique et qu'il faut être capable de s'adapter à tout contexte de changement. Donc, c'est par le biais d'activités autour de thèmes comme l'action humanitaire, l'action environnementale, mais aussi le sport et la créativité, que l'étudiant va développer ses compétences humaines au contact des autres. Il n'est jamais aisé d'être en lien avec l'autre, et très souvent, et aujourd'hui encore plus avec la digitalisation de nos relations humaines, l'étudiant est très souvent devant un écran plutôt que devant son alter ego. Donc la soft skill, c'est on est en lien, on travaille ensemble, on mène des actions de sens ensemble, et au cœur de ces actions de sens, c'est d'abord soi qu'on interroge, parce que c'est en se connaissant soi-même qu'on est capable d'être un bon professionnel. C'est ce qu'on attend aujourd'hui au niveau des entreprises qui sont partenaires de l'ISM. On attend en fait des profils aujourd'hui complets, d'étudiants compétents qui ont donc acquis des hard skills solides, mais aussi des étudiants humbles qui font preuve de beaucoup de sagesse et d'empathie à l'égard de leurs collègues. C'est ce qu'on appelle les soft skills. En termes organisationnels, je ne travaille pas seule à la Soft Skills Academy. Tous les ans, nous avons des jeunes qui sont formés, qu'on appelle les coachs de la Soft Skills Academy. C'est eux qui sont en interaction directe avec leurs camarades et qui sont en lien avec toutes les communautés de l'ISM, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'ISM, c'est une communauté. C'est l'Afrique en miniature et que c'est cela qu'on doit apprendre. D'abord, vivre ensemble en tant qu'Africain, connaître notre identité africaine pour mieux s'intégrer au monde, puisque c'est la volonté de l'ISM. Aujourd'hui, l'ISM, demain, le monde.